Salut à tous, aujourd'hui je suis quasiment en vacances, donc j'ai 5 minutes pour vous parler de la maladie de Parkinson. Alors la maladie de Parkinson, c'est une maladie neurologique, et plus particulièrement, c'est les neurones qui fabriquent la dopamine qui vont progressivement être détruites. Et la dopamine, c'est elle qui régule le contrôle des mouvements. Et donc, on peut parler de maladie de la motricité. Alors à 90% des cas, c'est une maladie qui peut se déclencher entre 55 et 65 ans et qui touche deux fois plus les hommes que les femmes. Au niveau de la recherche sur la maladie de Parkinson, nous n'arrivons toujours pas à savoir, à connaître son origine, mais nous pouvons avancer des hypothèses de facteurs de risque comme l'environnement, les pesticides, les métaux lourds, donc le plomb, l'aluminium, le cobalt, le mercure et encore plein d'autres, ou encore la génétique. C'est une maladie qui touche environ 135 000 personnes en France et qui est classée ALD, affection longue durée, donc complètement remboursée par la sécurité sociale. La maladie de Parkinson, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne touche pas uniquement aux troubles physiques qui sont souvent réduits à tort à des tremblements. En fait, c'est une maladie qui cause non seulement de nombreux troubles physiques, et donc pas juste des tremblements, mais aussi des troubles mentaux et comportementaux. Justement, à propos des signes de la maladie, on retrouve la triade classique, d'abord les tremblements, donc ils vont se localiser sur les membres supérieurs, les mains, et au début ça ne se voit pas ou très peu. En fait, ça se voit juste au repos, mais les tremblements disparaissent dès lors que la personne est en mouvement. Ensuite, on peut noter une rigidité douloureuse car les muscles se contractent. Et puis vient la kinésie qui va se marquer par une lenteur dans tous les mouvements. On peut facilement reconnaître un parkinsonien à la démarche qui est particulière. Il va piétiner au démarrage en faisant quasiment du surplace. Puis finalement va arriver à avancer à petits pas en traînant les pieds et le corps penché vers l'avant. Chez monsieur et madame tout le monde, il y a pendant la marche un mouvement de balancier des bras. Pas chez le parkinsonien qui lui va avoir les bras collés au corps. Parfois le malade est même incapable d'avancer, les pieds collés au sol. Enfin pour terminer sur les signes physiques, on retrouve un visage peu expressif et un regard fixe. Ensuite, on retrouve les troubles psychiques, donc apathie, fatigue anormale, anxiété, dépression. Il y a également les troubles cognitifs, des troubles du sommeil, des difficultés à écrire, des raisonnements plus lents, des pertes d'équilibre, des diminutions des réflexes, difficultés d'attention, de concentration, des troubles de la parole, des troubles urinaires, des troubles digestifs. Le diagnostic se fait essentiellement sur ces signes. Une IRM va permettre d'éliminer d'autres diagnostics. Il existe quelques solutions de traitement qui retardent les effets de la maladie. Tout d'abord, un traitement à base de dopamine. Donc ça, c'est directement à voir avec votre médecin. Il existe un traitement chirurgical uniquement pour les jeunes sujets où l'on implante une électrode qui va permettre une stimulation cérébrale. Au niveau de la prise en charge, un kinésithérapeute va être utile, tout comme un orthophoniste, un ergothérapeute. Il est bon de privilégier toute approche complémentaire susceptible de faire sécréter de la dopamine, comme la crénothérapie, la musicothérapie, l'acupuncture, le yoga, la relaxation. Et il est surtout très important d'éviter le stress qui aggrave les signes de la maladie. L'évolution de la maladie se passe sur trois étapes. D'abord, il y a ce que l'on appelle la lune de miel. C'est une période de vie quasi normale qui varie entre 5 et 8 ans en moyenne où le traitement est efficace. Ensuite vient la période où le traitement perd son efficacité et les troubles réapparaissent. Puis enfin, la troisième étape, celle des complications où la perte d'autonomie s'installe. Donc des déplacements précaires, des troubles de l'élocution, déglutition, des risques de fausse route, amaigrissement, hypersalivation, la personne commence à baver, perte de la mémoire, des confusions et même des possibles démences et des risques d'escarre car alitement. Alors au milieu de tout ceci, comment accompagner une personne au mieux? D'abord en essayant de stimuler
afin de garder le plus longtemps possible l'autonomie de la personne. Peu importe si ça prend du temps, il est important de laisser à la personne le temps de faire ce qu'elle peut encore faire elle-même. Lors des déplacements, car il y aura nécessairement de l'aide à la marche, prenez soin de mettre de bonnes chaussures qui tiennent bien le pied. Il y a également, avec le temps, un petit signe qui s'installe lors de la marche, c'est le regard qui se baisse. Or, lorsqu'on marche, il est important de regarder droit devant. N'hésitez pas à le rappeler souvent. Vous pouvez également aménager l'espace afin d'éviter les chutes, placer des barres d'appui, des poignées dans les toilettes, dans les escaliers, dans la douche, etc. Pour les repas, étant donné que la personne se déplace moins et que la mobilité joue beaucoup sur le transit, privilégiez une alimentation riche en fibres et buvez beaucoup. S'il y a un fort risque de fausse route, proposez du mixé, du gélifié. Pour les tremblements, il existe aussi des cuillères anti-tremblements. En cas de trouble du sommeil, proposez une activité physique, évitez l'inactivité et évitez les siestes trop longues. Pour finir, il est important de maintenir le dialogue avec la famille, car c'est une des maladies les plus éprouvantes pour l'entourage, car les aidants familiaux passent en moyenne 8 heures par jour avec le malade. Sachez aussi que 40% des aidants meurent avant l'aider. Les familles sont rarement formées aux pathologies et il peut y avoir de l'impatience, de l'incompréhension, de l'énervement et beaucoup de fatigue pour les familles. À ce propos, j'avais fait il y a quelque temps une vidéo dédiée aux aidants familiaux que je vous recommande. Voilà, c'était ma vidéo sur Parkinson en 5 minutes. Je sais, c'est concis, c'est rapide, mais c'est le principe de la chaîne. Pensez à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème de la santé. Ciao !